Madame Cléry? C'est moi, monsieur. Commissaire Terran. Pourrais-je avoir un entretien avec vous, madame? Entrez, monsieur le commissaire. Nous resterons au jardin, si vous le voulez bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je voudrais vous parler de mademoiselle Blazac. De qui? Mademoiselle Blazac. Chantal Blazac. Je ne connais pas cette personne. Vraiment? Non, je ne vois pas. Pourtant, je suis sûr que vous la connaissez. Mais non! À moins qu'une ancienne relation, non, peut-être. Mademoiselle Blazac n'a que 21 ans. Alors peut-être la fille d'un fournisseur. Non. Alors vraiment, je ne vois pas. Je vous assure, monsieur le commissaire, que je ne connais personne de ce nom, je vous le jure, vous m'entendez? Soyez pas si nerveuse, madame. Ah, excusez-moi, mais vos questions sont un peu, comment dirais-je, irritantes. Oui. Vous maintenez donc que vous ne connaissez pas Chantal Blazac? Puisque je vous le jure. Elle, en revanche, semble très bien vous connaître. Qu'est-ce que ça signifie? Et c'est ce que j'essaie d'éclaircir. Vous passez d'une voiture? Oui, vous la voyez, du reste. Et c'est vous qui la conduisez? Ça dépend. C'est-à-dire? Quand je suis avec mon mari, c'est lui qui prend le volant. Et ces jours-ci? Je suis seule, il est en Angleterre pour ses affaires. Depuis quand est-il parti? 3 semaines. Donc depuis 3 semaines, personne d'autre que vous ne s'est servi de cette voiture? Oui, c'est cela. Vous l'utilisez souvent? Oh, presque tous les jours pour faire des courses. Vous avez eu un accident? Non, absolument pas. Et pourtant, il y a une trace de choc à l'avant. Tiens, je ne l'avais pas remarqué. Oh, madame. Bien, c'est difficile à croire. Précisément, Chantal Blazac vous accuse de l'avoir renversée. C'est une erreur, je suis certaine d'avoir jamais heurté qui que ce soit. Cette personne a dû se tromper en relevant le numéro de voiture. Pas du tout. Vous pensez bien que si j'avais blessé quelqu'un, je me serais arrêtée pour lui porter secours. Mais c'est ce que vous avez fait. Toute cette histoire me fait l'effet d'une mauvaise plaisanterie. Madame, je vous en prie. Depuis quand habitez-vous cette maison? 2 mois. Et lorsque votre mari est absent, vous n'avez pas peur? Toute seule dans cette propriété isolée? Non, nous avons fait mettre de bonnes serrures. Et puis j'ai le téléphone. Vous avez sans doute une arme? Non. Revenons à mademoiselle Blazac. Tenez, voici sa photo. Vous la reconnaissez? Je n'ai jamais vu cette personne. Tout ça devient très ennuyeux. Pourquoi? Mais parce que vos déclarations ne coïncident pas du tout avec celles de la victime. Elle a été grièvement blessée? Non, une simple commotion. Mais vous devez le savoir, puisque vous l'avez amenée ici pour la soigner. Ici? Oui, madame. Ici? Cette fille est folle ou mythomane? Laissez-moi continuer, car ce qui est plus grave, c'est que vous l'ayez menacée de mort. Moi? Quand, après s'être reposée quelques heures, mademoiselle Blazac a voulu repartir, vous lui avez demandé de ne parler à personne de cet accident. Et comme elle hésitait, vous avez sorti un revolver en lui disant que vous n'hésiteriez pas à la tuer si elle ne vous obéissait pas. Mais c'est insensé, pourquoi aurais-je fait ça? Je pense que l'accident a dû se produire dans un endroit où vous n'auriez pas dû être, ou alors que mademoiselle Blazac, sans s'en rendre compte, venait d'être témoin d'un fait gênant pour vous. Et où l'accident aurait-il eu lieu? Vous devez le savoir. Au Trois Tilleuls. Vous connaissez bien l'endroit? Non. Enfin, oui, un peu, j'y suis allée, mais il y a longtemps. Quand? Il y a quelques années. Ah, je croyais que vous n'habitiez ici que depuis 2 mois. C'est exact, mais j'ai toujours passé mes vacances dans les environs et c'est ainsi que j'ai connu mon mari. Ah, parce qu'il est de la région? Oui et non. Quand ses parents sont morts, il a été recueilli par une cousine qui est d'ici. Comment s'appelle cette cousine? Madame Vormeil. Vous la voyez souvent? Non. Pourquoi? Ça n'a aucun rapport avec l'histoire qui vous intéresse. Une fois de plus, je vous demande de me répondre. Madame Vormeil est d'une autre époque. Quelle a été l'attitude de Madame Vormeil au moment de votre mariage? Elle a cru que je la laisserais tout régenter dans mon ménage. Et elle s'est trompée? Ah oui. Je lui ai demandé de ne plus se mêler de mes affaires et je la vois le moins possible. C'est-à-dire? Oh, une fois par mois, lorsqu'elle nous invite à déjeuner. Bon. Revenons-en à votre maison. Et la dernière pièce, à droite, au premier étage, c'est une chambre à coucher.
Oui, une chambre d'amis. C'est dans cette pièce que Chantal Blazac prétend que vous l'avez fait se reposer. Vous n'êtes pas surprise que je sois au courant de la disposition des pièces? L'éduction n'était pas difficile à faire. Elle a même pu vous dire que la tapisserie est bleue, on la voit de la rue. C'est exact. Vous voyez, ça ne prouve rien. C'est qu'elle donne beaucoup d'autres détails. Je voudrais bien savoir lesquels, alors. Oh, je peux vous les énumérer, ils sont là dans ce rapport. Mais il y a une autre solution. Laquelle? Que Chantal Blazac vous les dise elle-même. Oh, c'est une excellente idée. J'en profiterai pour lui dire ce que je pense d'elle. Eh bien, quand voulez-vous que nous la voyions? Demain? Tout de suite. Elle attend dans ma voiture, derrière la grille. Mademoiselle Blazac! Mademoiselle Blazac! Approchez. Ne soyez pas effrayée, je suis là. Je sais, monsieur le commissaire, mais j'ai peur tout de même. Mais enfin, mademoiselle, pourquoi est-ce que vous mentez comme ça? Vous savez très bien que je ne vous connais pas. Vous feriez mieux d'avouer, madame. Cela éviterait une scène bien pénible pour vous comme pour moi. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Où désirez-vous en venir avec ce chantage? Un chantage? Je ne désire qu'une chose, être protégée. Maintenant, vous savez que s'il m'arrive quoi que ce soit, c'est vous qui serez soupçonné. Dites plutôt que vous cherchez quelqu'un pour payer les frais d'un soi-disant accident. Je n'en ai pas besoin. D'ailleurs, vous remarquerez que je ne vous réclame rien. Madame Cléry, voulez-vous que tous les trois, nous allions visiter votre maison? Non, ce serait trop commode. Elle dirait qu'elle reconnaît tout. Vous ne m'avez pas laissé achever ma phrase. Mademoiselle Blazac décrira les pièces avant que nous y pénétrions. Dans ces conditions, j'accepte. Nous allons suivre exactement le même chemin que celui que Madame Cléry m'a fait faire hier. D'abord le living room. On y pénètre de plein pied. C'est une pièce moderne avec un canapé, de grands fauteuils que je ne me rappelle plus très bien. Ah, vous voyez, commissaire, elle avoue. Mais certains objets m'ont frappé. Si vous tournez l'interrupteur à droite en entrant, vous éclairez une vitrine remplie d'objets chinois. Il y a en particulier un masque. Et la lumière qui filtre à travers les yeux bridés le rend encore plus étrange. Ouvrez la porte, Madame Cléry. Vous voyez, j'avais raison. Le masque est là. Où l'avez-vous acheté, Madame Cléry? Je ne sais plus exactement. Tiens. À Paris, au marché aux puces. C'est tout ce que je peux vous dire. Et quand? La semaine dernière. À qui l'avez-vous montré? Mais... à personne! Oh, je n'en peux plus! Alors, je vous en prie, madame. Continuons, mademoiselle Blazac. La porte à droite conduit à un bureau, où il y a un divan recouvert de velours vert. Mm-hmm. C'est là que Madame Cléry m'a soignée. Il y a un bureau en pierre, des gravures représentant des scènes militaires. Comment savez-vous tout ça? Comment? Lorsque l'on a risqué sa vie, on se rappelle beaucoup de choses, croyez-moi. Il n'y a plus rien à ajouter pour cette fois-ci. À moins que vous n'ayez encore quelque chose à dire, mademoiselle Blazac. Non, rien. Ah si! Dans le tiroir de droite du bureau, il y a le revolver. Vraiment? Il n'y a aucune arme ici. Si, madame. Il y a un revolver. Le voici. Bonjour, mère. Ma petite Odile. Je suis ravie de votre visite. Vous sembliez si pressée de me voir. Asseyez-vous. Je suis bouleversée de ce qui vous arrive. Mais de quoi parlez-vous? J'ai entendu dire qu'une jeune fille vous accusait de tas de choses. Elle ose en parler? Oh, peu de gens le savent, tranquillisez-vous. Je l'ai appris par la directrice de l'hôtel où elle est descendue. Je crois que c'est la seule qui soit au courant et elle ne dira rien. Elle m'a promis la plus grande discrétion. Oui, autrement dit, toute la ville le sait déjà. Allons, vous êtes injuste, ma petite Odile. C'est une femme qui a tout intérêt à ne pas me mécontenter. Espérons-le. Oh, et puis après tout, qu'importe. La vérité finira bien par éclater. Mais certainement, mais croyez-moi, il reste toujours quelque chose dans l'esprit des gens. À mon avis, il serait préférable d'arrêter cette histoire dès le début. Oui, peut-être. Je voudrais tant éviter ce scandale. D'abord pour vous, et puis pour votre mari.
Serge est un peu mon fils. Je veux tout faire pour qu'il soit heureux. Je vous remercie, mais je ne vois pas en quoi... Enfin, réfléchissons. Je doute fort que cette jeune fille reconnaisse rapidement ses mensonges. À moins que... À moins que... Je me disais que si quelqu'un était venu vous voir hier après-midi, il aurait pu constater qu'il n'y avait personne chez vous. Malheureusement, je n'ai pas eu la moindre visite. Si, moi. Comment? Je pourrais dire que je suis venue chez vous. Ce n'est pas vrai. Nous serions les seuls à le savoir. Je suis très touchée, mais je ne peux pas accepter. Pourquoi? Mais j'ai dit au commissaire que je n'avais reçu personne. Vous aviez oublié. Cela peut arriver. Acceptez. À cause de Serge. Soit. Je vous remercie. Voilà qui est plus raisonnable. Je suis donc allée chez vous pour prendre le café vers 2 heures. Nous avons bavardé toute l'après-midi, puis, avant mon départ, vous m'avez fait visiter la maison pour me montrer l'avancement de vos travaux. Et je suis entrée dans toutes les pièces. Vous voyez ? Tout est réglé. Mais hélas, tout ne sera vraiment fini que le jour où je saurai la vérité. J'ai réfléchi longuement à tout cela. Et alors? J'ai une petite idée. Et laquelle? Chantal Blazac a bien dit que l'accident s'est passé au Trois-Tilleuls. Oui. Comme c'est un lieu très à l'écart, qui n'est pas mentionné sur les cartes, il est tout de même étrange qu'une simple touriste en ait entendu parler. Si elle a donné ce nom, c'est qu'il lui était familier. Oui, probablement. Or, c'est un endroit tellement laid que personne n'aurait l'idée d'aller s'y promener. Donc, si elle s'y trouvait, c'était pour aller voir quelqu'un qui y habite. Oh. Eh oui, il n'y a là qu'une seule maison, celle de Pierre Chenard. Pierre Chenard? Ah, allons, allons. Vous pouvez me parler franchement. Je sais que vous l'avez bien connu autrefois. Oui, nous avons presque été fiancés. Pourquoi avez-vous rompu? Non, mère, je vous en prie. Ces souvenirs ne sont pas tellement agréables. Il faut en parler, cependant. Je me suis rendu compte que Pierre n'était pas très honnête. Il aurait fallu être aveugle pour ne pas s'en apercevoir. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe actuellement. En êtes-vous sûr? Pierre Chenard sait que vous avez épousé Serge, et comme tout le monde connaît la fortune de votre mari... Et alors? Chenard a des dettes. Il doit chercher à trouver de l'argent par tous les moyens. Il a donc pu imaginer une histoire qui risque de vous causer beaucoup de tort. Et au dernier moment, il viendra vous vendre son témoignage. Mais ce n'est pas possible. Ah. Il a beaucoup changé en 5 ans. Et paraît-il, il est capable de tout. Mais ça n'explique pas comment cette Chantal Blazac connaît la disposition de notre maison. Chenard a dû s'introduire chez vous un jour où vous étiez en promenade. Je ne vois pas comment il aurait pu. Mais vous pouvez quand même parler de vos soupçons au commissaire. Avant, il faudra en savoir davantage. Que peut-on faire? Allez voir Chenard. Et s'il a quelque chose à se reprocher, il sera désarmé en constatant que vous n'êtes pas dû. Je ne peux tout de même pas aller chez lui. Vous avez peur? Pas du tout. Mais je pense à Serge. Il faut régler cette affaire au plus vite. Oui, je sais, je sais. Et puis si c'est nécessaire, je dirai à votre mari que c'est moi qui vous ai conseillé d'y aller. Oui, après tout, qu'est-ce que je risque? Rien. C'est ce que je vous dis. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Regardez par la fenêtre. Le commissaire traverse le jardin. Vite, sauvez-vous. Il n'y a aucune raison. Si je lui dis que j'ai été chez vous hier, il est préférable qu'il ne nous voit pas ensemble. Tenez, tenez, sortez. Sortez par la porte de derrière. Oui, au revoir, je vous remercie. À bientôt. À bientôt, ma petite Odile. À bientôt. Madame Bormeil? Oui? Commissaire Terran, puis-je avoir quelques minutes d'entretien avec vous? Entrez, je vous prie. Merci. Je crois connaître le motif de votre visite. Déjà? Les nouvelles vont vite. C'est une histoire lamentable.
Que pensez-vous de votre belle-fille? Ce n'est pas exactement ma belle-fille. Vous n'avez pas répondu à ma question. Elle est charmante. Charmante. De toute façon, je ne dirai jamais du mal d'elle. Y aurait-il donc à en dire? On peut toujours dire du mal de quelqu'un. Personne n'est à l'abri des commérages. Odile en sait quelque chose. Tiens, tiens. Intéressant, cela. Dégoûtant, voulez-vous dire. Odile est une jeune femme très moderne, qui a un genre assez libre. Elle a peut-être parfois une conduite un peu imprudente, mais ce n'est sans doute pas bien grave. Avez-vous été satisfaite du mariage de votre fils adoptif? Odile était ravissante alors. Ça a fait passer bien des choses. Ah oui? Ah. On n'a jamais très bien su d'où elle venait, mais à notre époque, c'est normal, n'est-ce pas? Vous parliez aussi de commérage. Odile est jeune, belle et riche. Ça excite les jalousies, mais je suis sûre qu'elle est fidèle à son mari, quoi qu'on dise. Avez-vous déjà parlé de tout cela avec votre fils? Non, je ne voudrais pas faire de peine à Serge. Et puis je le vois si peu. Pourquoi? Avec son travail. Il n'a pas le temps de venir me voir. Et moi, avec mes pauvres jambes, je me déplace le moins possible. Entre nous, Madame Vormaille, que pensez-vous de l'accusation portée contre votre belle-fille par Mlle Blazac? Je n'y comprends rien. Vous savez que c'est très ennuyeux pour Madame Cléry. Je m'en doute. Il faut faire quelque chose pour elle. Odile est innocente et on ne peut la laisser se débattre toute seule. Voyons, elle a bien dû recevoir des visites. Non. Des fournisseurs. Non plus. Mais j'y pense. Mademoiselle Blazac a eu son accident hier. Oui. Alors je suis en mesure d'innocenter Odile. Vraiment? Mais oui. J'ai passé toute l'après-midi avec elle. Ici? Non, chez elle. Madame Vormaille, n'oubliez pas qu'il y a quelques instants, vous m'avez déclaré que vous évitiez de vous déplacer à cause de vos jambes. J'ai dit ça, moi? Vous feriez mieux de me dire la vérité. Alors, je vous écoute. Eh bien, Odile est venue me voir et elle m'a convaincue de son innocence. J'ai compris qu'elle attendait de moi, enfin qu'elle espérait que je témoigne en sa faveur. Elle ne m'a rien demandé, bien sûr, presque rien. C'est normal, puisqu'elle est innocente. En êtes-vous certaine? Oui, oui. Elle est incapable de menacer quelqu'un de mort. À moins que ce ne soit pour quelque chose de très grave. En tous les cas, ne recommencez plus à me mentir. La prochaine fois, ça pourrait vous coûter cher. Excusez-moi, monsieur le commissaire, mais je voudrais tant sauver Odile. Sauver? Enfin, c'est-à-dire lui venir en aide. Mais surtout, n'imaginez pas que j'en sache davantage. C'est pourtant ce que je pense. Je ne connais aucun fait précis. Aussi, il vaut mieux que je me taise. J'en suis pas sûr. Si je vous répétais tous les mensonges que j'ai entendus sur le compte d'Odile, ça ne pourrait que vous induire en erreur. De quoi s'agit-il? La loi vous interdit de cacher la vérité, madame. Eh bien, entre autres, j'ai reçu un coup de téléphone. De qui? Anonyme. Ah. Et que vous disait-on? Des horreurs. Odile aurait, paraît-il, renoué depuis quelque temps avec un homme qui a dû être son amant avant son mariage. Qui est-ce? Enfin, c'est Pierre Chenard. Alors vous vous rendez compte d'une catastrophe? À quel point de vue? Vous ne savez pas où il habite? Non. Au Trois Cigales. Là où l'accident a eu, enfin je veux dire, aurait eu lieu. C'est très intéressant tout cela. Que vous a-t-on raconté d'autre? On m'a dit qu'il se retrouvait chez lui tous les jours vers 4 heures, paraît-il. Merci, madame. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous, Odile? Bonjour, Pierre. Comment allez-vous? On se dit vous, maintenant. Oh, j'aurais dû m'en douter. Vous voici donc de retour. Vous savez bien que je suis installée dans la région depuis 2 mois. Oui. Je m'attendais à vous rencontrer un jour ou l'autre, c'est vrai, mais pas aujourd'hui spécialement. Je ne vous dérange pas? Non, pas du tout, non. Je me reposais. Ça marche, la peinture? Oh, formidable.
On doit me présenter à des Américains, à des critiques, à des tas de gens importants, et puis je vais faire des expositions dans plusieurs galeries. Ah oui. J'imagine qu'il doit falloir beaucoup de capitaux pour une telle organisation. Oui, pas mal. Mais je vais me débrouiller. Et parlons plutôt de vous. Heureuse ? Très. Savez-vous que vous êtes de plus en plus jolie, Odile ? Oh, je vous en prie. Ah, c'est donc défendu de dire la vérité ? Pierre. Excusez-moi, je vous revoyais il y a 6 ans. Nous étions si heureux. Pourquoi êtes-vous parti ? Vous le savez bien. Oh, pour cette petite histoire, vous n'étiez pas bien méchant. Tout de même. Enrouler des gens qui ont de l'argent, c'est pas grave, ça. Vous n'avez pas changé. Sur ce plan-là, pas du tout. Voilà, renseigné. Pourquoi dites-vous cela ? Excusez-moi de vous déranger. Mais enfin, monsieur... Commissaire Terran, pourriez-vous me laisser un instant seul avec Madame Cléry, monsieur Chenard ? Enfin... Je vous remercie. Ensuite, je serais heureux de vous voir quelques minutes, si ça ne vous dérange pas. Entendu. À tout à l'heure, Odile. Je croyais que vous ne veniez jamais par ici. C'est la vérité. Allons, j'arrive et je vous trouve en tête à tête avec monsieur Chenard. Il y a plus de 6 ans que je ne l'avais vu. Demandez-le lui, vous verrez. C'est inutile. Il se croira obligé de dire comme vous. Enfin, commissaire... Essayez de me comprendre. Mais je comprends parfaitement que vous avez l'habitude de venir ici et que vous feriez n'importe quoi pour que votre mari n'apprenne pas votre liaison. La conclusion s'impose donc d'elle-même. C'est mademoiselle Blazac qui dit la vérité. Bonjour, Madame Vormeil. Je vous remercie d'être venue, Monsieur Chenard. Je l'ai fait dès que j'ai pu, car quand vous avez appelé, le commissaire Terran était chez moi. Il n'a pas entendu notre conversation, moi. Non. Non, le téléphone est dans une autre pièce. Et puis, mes réponses sont restées vagues. D'abord, que vous a dit le commissaire ? Il est persuadé que je suis l'amant d'Odile. Bien. Madame Vormeil, vous ne comprenez pas. Aussi, parfaitement. Mais c'est votre belle-fille. Laissez-moi vous expliquer. Mon fils ne peut pas être heureux avec Odile. Ce n'est pas le genre de femme qui peut lui convenir. Je l'avais mis en garde avant ses fiançailles, mais il s'est buté et il n'y a rien eu à faire. Je sais qu'il est malheureux et je n'ai qu'un seul but, lui ouvrir les yeux pour qu'il reprenne sa liberté. Ah, je vois. Oui. Je suis persuadée que cette Chantal Blazac dit la vérité et j'aimerais que tout ça ne traîne pas en longueur. Alors, si nous pouvons aider un peu le destin... Mais... Je ne comprends pas... Ce que je veux, c'est que Serge divorce. Et vous ne craignez pas de le faire souffrir ? Non. Il sera très heureux. Il reprendra ses habitudes. Cela est mon affaire, monsieur Chenard. Alors, je ne vois pas ce que vous attendez de moi. Par exemple, laissez entendre au commissaire que par galanterie, il ne vous est pas possible d'avouer qu'Odile est votre maîtresse. Vous pourriez aussi suggérer qu'elle serait capable de beaucoup de choses... pour conserver son mari. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Il n'y a aucune raison pour que je fasse cela. Il y en a beaucoup, au contraire. Je crois savoir qu'Odile ne vous est pas indifférente. Oui, mais qu'est-ce que ça change ? Divorcée, elle pourra refaire sa vie ailleurs. Et croyez-moi, elle aura plus d'argent qu'il y a 6 ans, à l'époque où vous vouliez déjà l'épouser. Enfin, je... Ne soyez donc pas gêné de parler de problèmes financiers, c'est normal, après tout. Mais disons que je suis quand même un peu surpris. Mon idée ne vous intéresse pas. Comme il y a de fortes chances pour qu'Odile n'accepte pas de m'épouser, il est inutile que je prenne le risque de faire un faux témoignage. Car c'est cela que vous me demandez, n'est-ce pas ? J'avais prévu cette objection, mais j'ai d'autres arguments. Vous avez des dettes, je le sais. Je pourrais peut-être vous aider. Vous êtes très aimable, mais de toute manière, cela ne va pas chercher très loin, vous savez. Et puis, ce qui m'intéresse, moi, c'est la peinture. J'y ai également pensé. Les peintres, même les meilleurs, ont besoin d'être lancés, n'est-ce pas ? Exactement, oui. Et cela coûte très cher, une exposition. Oh là là, encore plus que vous ne pensez. Et il y a les cadeaux qu'il convient de faire à droite et à gauche. Oh là, oui, et les gens qu'il faut acheter. Je ne vous le fais pas dire. Si je comprends bien, Madame Vormeil, vous êtes intéressée par la peinture. Uniquement par la vôtre. Vous avez du goût. J'ai les moyens d'en avoir. Alors, nous sommes d'accord ? Sur le principe, oui. Mais pour le reste, je demande à voir. Nous en parlerons demain. Maintenant, vous allez vous préparer à rendre visite à Odile. Soyez-y dans 1 heure et demie. Et si elle ne veut pas me recevoir ? Vous n'aurez qu'à vous débrouiller.
À propos, faites en sorte de laisser les portes entrebâillées et puis ayez une tenue un peu négligée, le col ouvert, en chemise. Vous voyez ce que je veux dire? Parfaitement, oui. Je vous laisse. Hein. Appelez demain matin. Oui, oui. Ah, j'oubliais. Tenez, voici les arts. Ma commande de tableau. Merci, toujours. Bien entendu, il est inutile de me le livrer. Au revoir. Passez par la porte de derrière et tâchez de ne pas vous faire remarquer. J'attends Odile. Compris. À bientôt, Madame Vormé. Alain, pourrais-je parler à Mademoiselle Chantal Blazac? Merci, j'attends. Mademoiselle Blazac, j'ai un renseignement important à vous communiquer. Mon nom ne vous dirait rien. Disons que c'est une amie qui vous parle. Au Trois Tigales, là où Odile Cléry vous a renversé, il y a une maison. Elle appartient à l'ami Pierre Chenard. C'est l'amant de Madame Cléry. Non, non, ce n'est pas une plaisanterie. Dans une heure et demie, trouvez-vous chez Madame Cléry, vous les verrez ensemble. Vous pourriez peut-être prévenir le commissaire. Au revoir, mademoiselle. Ouf, il était temps. Voilà, voilà, j'arrive! Oh, mais il faut que je vous parle. Je suis bouleversée. Ma petite Odile, moi aussi. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après votre départ. Le commissaire est venu. Il m'a posé quelques questions sans intérêt. Et puis, il m'a dit qu'il allait voir Pierre Chenard. Oui, je sais, il m'y a retrouvé. Pourtant, j'ai tout fait pour le retarder. Je vous remercie. Malheureusement, je n'ai pas réussi puisqu'il vous a rejoint. Oui, il est persuadé que cette Chantal a dit vrai. Que j'ai voulu la supprimer pour qu'elle se taise. Oh, ma pauvre petite. C'est affreux. Et quelle est l'attitude de Chenard? Il m'a paru bizarre. Alors, qu'allez-vous faire? Je ne sais pas. Il faudrait le revoir pour essayer d'en savoir plus. Non, ça m'en irait. Voyons, voyons, ma petite Odile. Quand on est dans une impasse, on n'a pas le choix. Oui, oui, sans doute. Si je vous dis cela, c'est pour vous aider. Vous êtes très gentille. Alors, vous croyez? Oui, 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 voyez-le, tâchez de le faire parler. Bon, mais je suivrai votre conseil. Par ailleurs, je voudrais vous demander, vous n'avez pas écrit à votre mari à ce sujet? Non, je n'ai même pas eu le courage de lui écrire du tout. Il faut lui mettre un petit mot sans lui parler de cette histoire, car s'il reste sans nouvelles, il vous téléphonera et vous serez incapable de lui cacher ce qui vous arrive. Alors, il se fera du souci et sera très malheureux. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Oui, vous avez raison, je vais lui écrire dès aujourd'hui. Je ne veux pas vous chasser, mais si vous voulez profiter de la dernière levée, vous n'avez que le temps d'aller écrire votre lettre. Oui, je me sauve. Oh, merci encore pour tout. Alors, Mr. Radford, secrétaire? Yes. Vous parlez français? Oh, tant mieux. Voilà, pourriez-vous faire une commission à Monsieur Cléry? Merci. Voulez-vous lui dire que sa mère a téléphoné car sa femme a un grave ennui? Surtout qu'il me rappelle, moi, avant de téléphoner à Madame Cléry. Oui, je crois qu'il faudra qu'il rentre. Merci, mademoiselle. Au revoir. Eh bien, voilà de bonnes choses de fait. Thank you.
c'est vous, Pierre? Qu'est-ce qui vous amène? J'aimerais continuer la conversation que le commissaire a interrompue. Non, je n'en vois pas la nécessité. Bon, moi si, Odile. D'autant plus que j'ai eu quelques informations supplémentaires. Ce n'est pas très brillant pour vous, croyez-moi. On vous en veut. Qui cela, on? Ça, je ne peux pas vous le dire. De toute manière, je ne crains rien, puisque je n'ai rien fait. Méfiez-vous, quand même. Je me débrouillerai. Seul, vous n'y arriverez pas. Il faudrait que quelqu'un vous aide. Qui? Cherchez bien. Vous? Et pourquoi pas? Et ça me coûterait combien? Mais rien du tout. Ça, c'est une surprise. Oui. Vous acceptez, Odile? Non, je vous remercie, je n'ai pas besoin de vous. Vous avez tort. Je suis persuadé que vous le regretterez. Tant pis. Je suis désolé que vous ayez perdu votre temps. Bon, ben, je vais vous laisser. Et avant de partir, vous permettez que je me serve un whisky? C'est-à-dire... Vous avez de la glace? Monsieur le commissaire... La porte d'entrée était ouverte et je me suis permis de venir jusqu'ici. Tiens, monsieur Chenard. Rebonjour, monsieur le commissaire. Mais je croyais, madame Cléry, que vous ne voyiez jamais monsieur Chenard et je le trouve en votre compagnie deux fois dans la même journée. C'est beaucoup. Monsieur Chenard est venu chez moi sans me prévenir. Je suis pour rien. C'est vrai, monsieur le commissaire. Je vais vous laisser du reste. Au revoir, Odile. Et merci pour le whisky, hein. Non, inutile de me raccompagner, je connais le chemin, hein. J'aimerais que vous me reparliez de votre emploi du temps d'hier après-midi. Je me suis rappelé que ma belle-mère était venue me voir. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, en effet. Ah, vous voyez. Oui, mais après quelques minutes d'interrogatoire, elle a été forcée de reconnaître qu'elle ne disait pas la vérité. Je l'ai revue depuis que vous êtes allé chez elle et elle ne m'a rien dit. Mon Dieu, c'est tout de même pas possible. Que voulez-vous dire? C'est elle aussi qui m'a conseillé de revoir Pierre Chenard. Alors? Non, je n'arrive pas à croire une chose pareille. Vous pensez que Madame Vormeil essaie de vous tendre des pièges? Oui, ça je le crains. Et Pierre Chenard? Oh, lui, il fait n'importe quoi pour de l'argent. La preuve, il venait me proposer ses bons offices. Mais j'ai refusé. Et comme Chantal Blazac vous accable injustement, vous pensez qu'ils sont de connivence tous les trois? Oui. Madame Cléry, comment voulez-vous que je vous prenne au sérieux? D'abord, si Pierre Chenard vous voulait du mal... Il ne viendrait pas vous proposer ses services. Ensuite, d'après vous, il y a beaucoup de gens qui vous en veulent, mais des gens qui ne se connaissent pas entre eux. C'est pourtant ma belle-mère qui est à l'origine de tout, j'en suis sûre maintenant. Votre belle-mère est-elle déjà venue ici? Oui, il y a environ un mois. Mon mari était allé la chercher en voiture, et malgré ses mauvaises jambes, elle a voulu visiter toute la maison. Vous êtes convaincue maintenant. Elle aurait donc pu faire la description des lieux à mademoiselle Blazac. C'est cela. Mais comment aurait-elle connu cette jeune fille, puisqu'elle ne sort pratiquement jamais de chez elle? Ah, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pourtant ça la vérité. Mais autrement, il n'y a aucune explication. Aucune. Entrez, madame Cléry. Vous m'avez demandé de vous recevoir d'urgence, que se passe-t-il? Elle continue, monsieur le commissaire. Qui, elle? Ma belle-mère, bien entendu. Ce matin, on a sonné chez moi, je suis allée ouvrir et je me suis trouvée en face de Pierre Chenard. Je ne vois pas le rapport. Il a affirmé que je venais lui téléphoner pour lui demander de venir chez moi. Or, je ne l'avais jamais appelé. Que voulait-il? Vous allez voir. Il venait à peine d'arriver qu'un taxi s'arrêtait devant le portail. C'était mon mari qui rentrait de Londres. Heureusement que Serge a confiance en moi. Vous imaginez les réactions qu'il aurait pu avoir en trouvant sa femme en robe de chambre en compagnie d'un homme qui avait été autrefois son fiancé. Mais rien ne prouve que Madame Vormeil soit mêlée à cette histoire. Oh, si. C'est elle qui, sans me prévenir, avait demandé à Serge de revenir. Et par téléphone, mon mari lui avait indiqué l'heure de son retour. Et pourquoi Monsieur Cléry ne vous avait-il pas appelé, vous? Et parce que ma belle-mère lui avait dit de ne pas le faire. Vous n'aviez pas informé votre mari de ce qui vous était arrivé? Mais absolument pas. Je lui avais même écrit sur le conseil de Madame Vormeil pour lui dire que tout allait bien. Je ne voulais pas l'affoler. Que pense Monsieur Cléry de tout cela? Il est comme moi, il ne comprend pas. Mais... Mais... Mais il refuse de croire que Madame Vormeil est coupable. Il la considère comme sa mère. Et pour lui, elle possède toutes les qualités. Oui. Oh, monsieur le commissaire, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus continuer ainsi. Je vous comprends très bien, madame, mais...
Que voulez-vous que je fasse? Allô? Allô, le commissaire Terran est-il encore là? Oui, vite, vite, passez-le-moi. Allô? Allô, commissaire? C'est Odile Cléry. Oh, je craignais que vous ne soyez déjà parti. Je suis seule, mon mari vient d'être appelé d'urgence à son bureau. Oh, je suis sûre qu'il y a quelqu'un caché chez moi. Oh, non, 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 croyez-moi, je ne rêve pas. Je suis enfermée dans une pièce au rez-de-chaussée et j'entends des pas au premier étage. Oui. Oui, merci d'envoyer quelqu'un. Les plombs ont sauté et quand j'allais les réparer, j'ai entendu marcher sur le gravier. J'étais paralysée de peur. Et quand je me suis précipitée à la fenêtre, il n'y avait plus personne. Et puis j'ai entendu casser un carreau. Oui, oui, c'est pour ça que je me suis enfermée dans le bureau. Oui, il y a des volets, mais... J'ai l'impression qu'on essaye de les ouvrir. Non! Madame Vermeil, que faites-vous dehors à cette heure-ci? Commissaire, vous m'avez fait peur. Je vous pose une question, Madame Vermeil. Je viens voir Odile. Si tard? Oui. Et comment vont vos jambes? Je croyais que vous pouviez à peine vous déplacer. C'est-à-dire, Odile m'a appelé d'urgence. Oui. Vous êtes déjà entrée dans la maison? Non. Vous arrivez donc directement de la rue? Oui. Et rien ne vous a frappé? Non. Eh bien, cela prouve que mes hommes sont discrets. Vous n'avez pas été surprise de trouver le portail ouvert? Je n'y ai même pas fait attention. C'est une explication facile, mais il peut y en avoir une autre. C'est que vous veniez de l'intérieur non, de la maison. Non, je vous jure. Ne vous énervez pas. Du reste, quel mal y aurait-il à cela? Aucun, bien sûr. Mais c'est vous qui avez l'air de trouver ce détail important. Parce qu'il l'est. Ah. Oui. Pendant que Mme Cléry me téléphonait, quelqu'un a brisé une vitre pour entrer dans la maison. Alors? Et lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé Mme Cléry par terre, tenant encore le téléphone. Morte? Elle ne semblait pas surprise. C'est affreux, bien sûr. J'avais toujours pensé qu'elle finirait dans le scandale. Pourquoi? Comme ça. Le principal maintenant, c'est de retrouver l'assassin. Vous avez une idée? Faudrait chercher parmi les gens que ma bru fréquentait avant son mariage. Elle avait dû mener une vie très agitée. Vous croyez? Mais il n'y a qu'à la voir. D'ailleurs, elle n'a épousé Serge que pour son argent. D'après ce que l'on m'a dit, elle le rendait parfaitement heureux. Hélas, non. Qui vous a dit cela? Entre nous, elle a certainement conservé d'anciennes relations qui ont dû vouloir la faire chanter. Et pour une fois, elle a trouvé plus fort qu'elle. Oui. C'est une hypothèse. Ce qu'il y a de plus triste dans cette affaire, cela va être de prévenir Serge. Et c'est moi qui vais être obligée de lui annoncer la nouvelle. Vous n'aurez pas cette joie, ma chère belle. Ah ! Malheureusement pour vous, je ne suis pas morte. Le coupable... Je devrais dire la coupable, n'est-ce pas ? A tiré un coup de revolver sur moi et je me suis évanouie. Elle a cru que j'étais morte, et ensuite elle est allée dans ma chambre et a tout mis sans dessus-dessous. Pour voler ? C'est ce que l'on a essayé de faire croire, mais rien n'a disparu. L'argent. Je peux vous garantir qu'il n'en manque pas un sou. Il y a un point qu'il me faudrait éclaircir. Et, tout à l'heure, Madame Vermeil, vous m'avez affirmé que votre bru vous avait téléphoné. Oui. Mais c'est faux! Vous n'oserez tout de même pas prétendre que vous avez reconnu ma voix. J'ai cru que... Ah, vous avez cru, vous n'êtes donc plus sûr. C'est-à-dire, je le jurerais presque. Presque. Vous savez, au téléphone, et elle chuchotait en plus. Allons, 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 votre explication n'est pas très convaincante. C'est la vérité. Et en venant ici, je n'ai fait que mon devoir. Et c'était sans doute votre devoir de m'envoyer chez Pierre Chenard et d'en informer le commissaire. Non, oh, allez-vous-en, vous m'écœurez. Oui, entrez chez vous, Madame Vermeil. Demain, j'irai vous voir pour vous demander quelques précisions.
Avant de vous laisser, Madame Cléry, j'aimerais que vous me précisiez un point. Lequel ? C'est assez délicat. Vous vous entendez bien avec votre mari ? Bien sûr, commissaire. Vous ne lui connaissez pas de liaison ? Oh, nous sommes si heureux. Pourtant, je me demande quel rôle il peut avoir dans cette affaire. Mais aucun. Il n'était même pas là quand tout a commencé. Mais oui, c'est ce qui me gêne le plus. Il a l'habitude de s'absenter souvent ? Quelquefois. Et ses voyages durent aussi longtemps ? Non. Généralement moins. Cette fois-ci, c'est exceptionnel. Tiens, tiens. Et ce soir, comme par hasard, il n'est pas resté avec vous. Mais commissaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Si l'on réfléchit bien, Monsieur Cléry est le seul à bien connaître l'agencement de votre maison. Oh. Pourquoi n'en aurait-il pas parlé à Mademoiselle Blazac ? Mademoiselle Blazac, ce n'est pas gentil de m'avoir caché certaines choses. Moi ? À propos de quoi, commissaire ? Mais à propos de vous-même. Je ne comprends pas. Vous avez été autrefois pensionnaire dans un collège à Béthune, puis dans un autre à Arras. C'est cela ? Je n'ai jamais dit le contraire. Mais vous m'avez caché que vous aviez été renvoyé des deux. C'est un détail sans importance. Ah, non. Non, car les deux fois, c'était pour vol. On n'a jamais trouvé de preuves. Plus tard, vous avez travaillé chez un grossiste en alimentation et vous êtes parti, m'avez-vous dit, parce que votre patron était trop entreprenant. Exactement. Et vous avez oublié de me dire qu'il avait découvert une petite escroquerie que vous aviez montée fort habilement, du reste. C'est ce qu'il a raconté. Vous m'aviez caché également que vous avez eu de nombreuses aventures. Ça ne vous regarde pas. Enfin, j'ai découvert le plus important. Vous étiez déjà venu dans la région. Jamais ? Si. C'est la première fois que je descends ici dans un hôtel. Oui, je le reconnais. Et que je n'ai jamais loué de chambre non plus. Oui, mais vous avez campé l'an dernier. Les commerçants vous ont reconnu. Ils se trompent. Non. À l'époque, vous avez bien fait connaissance de quelques personnes. Je vous vois mal restant seul toute la journée. Ce n'est pas dans votre caractère. Et qui aurais-je rencontré ? Pourquoi pas Serge Cléry ? Il est jeune, il est riche. Et de plus, pas très fidèle. Je vous interdis. Tiens, tiens. Vous n'aimez pas que l'on mette en doute la fidélité de Monsieur Cléry ? Je ne le connais même pas. Qu'avez-vous fait hier soir ? Oh. J'ai discuté avec quelques personnes de l'hôtel après le dîner. Mm-hmm. Ensuite, nous avons regardé la télévision et je suis montée vers minuit. Je vérifierai. En attendant, réfléchissez bien, Mademoiselle Blazac. Je vous donne jusqu'à demain pour me dire la vérité. Si vous continuez à me mentir, ça vous coûtera cher. Je suis décidé à tout savoir et j'irai jusqu'au bout. Pensez-y. Au revoir, mademoiselle. Oh, un instant. Regardez donc par la fenêtre. Vous connaissez cette personne ? Monsieur Cléry ? Tiens, tiens. Je croyais que vous ne l'aviez jamais vu. Enfin, j'ai vu sa photo, elle est sur le bureau de sa femme. Vous êtes habile, mademoiselle Blazac. Et c'est quand même moi qui aurai le dernier mot. La nuit vous a-t-elle porté conseil, mademoiselle Blazac ? Oui, j'ai beaucoup réfléchi. Alors ? Je vais tout vous dire. Ah, c'est une sage décision. Je vous écoute. Eh bien, voici. J'ai toujours eu besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Et j'en ai assez de vivoter sans être sûr du lendemain. J'ai décidé d'en sortir. L'an dernier, j'ai cru trouver ma chance quand j'ai rencontré Serge Cléry. Cet hiver, il a multiplié ses voyages d'affaires dans le Nord et je l'ai vu très régulièrement. Vous voulez l'épouser, n'est-ce pas ? Oui. Lui aussi. Nous avons échafaudé les projets, nous avons rêvé. Et puis, peu à peu, nous avons imaginé tout un scénario. Nous y voilà. Sa femme n'aurait jamais voulu le divorce. Alors nous avons passé des soirées entières à rechercher ce que nous pourrions faire pour la contraindre à rendre sa liberté à Serge. Un jour, il a trouvé une solution.
Au début, j'ai refusé parce que j'avais peur. Mais il a su me convaincre en me prouvant que nous ne risquions rien. Alors j'ai fini par accepter. Il m'a décrit minutieusement sa maison, m'a fait des plans avec la place des interrupteurs, des objets. J'apprenais par cœur ce qu'il me disait. Je lui récitais les leçons apprises jusqu'à ce que je ne fasse plus de fautes. Quand il est parti pour l'Angleterre, je me suis installée ici à l'hôtel. La suite, vous la connaissez. Je suis venue vous trouver et j'ai porté plainte. Ouais. Et qu'espériez-vous exactement? Que personne ne croirait à la version d'Odile Cléry. Ainsi, cela créerait un scandale. Et Serge aurait enfin un moyen de pression pour qu'elle accepte de divorcer. Nous avions mis au point jusqu'au moindre détail. C'est pour ça que le lieu choisi pour le pseudo-accident était les Trois Tilleuls. Oui. Serge savait que sa femme avait été fiancée jadis à Pierre Chenard. Tout était parfait. Mais quand vous m'avez appris que l'on avait tiré sur Madame Cléry, je n'ai plus eu le courage de continuer. Vous l'avez dit à Monsieur Cléry. Oui. Cela était affreux. Il a pensé que je voulais l'abandonner, il a tout essayé pour me faire changer d'avis. Il s'est mis en colère, il m'a supplié, mais je n'ai pas cédé. Vous avez bien fait. Et pourtant j'avais peur. Pourquoi? Parce qu'il est capable de tout. C'est quand même lui qui a tiré sur sa femme. Aussi, dès qu'il m'a quitté, j'ai couru jusqu'ici. Alors oui, Citerran. Quoi? Après tout, ça ne m'étonne pas. Bon, au revoir. J'ai une très pénible nouvelle à vous annoncer, Mademoiselle Blazac. Monsieur Cléry s'est suicidé. Tu n'aurais pas dû venir, Chantal. Mais Odile, ça n'a plus aucune importance. Ton mari s'est suicidé, l'affaire est classée. Si on te trouve ici, ça paraîtra bizarre. Mais non, on trouvera bien une explication. Par exemple, je suis venue te demander pardon de tout le mal que je t'ai fait. J'aimerais mieux ne rien avoir à dire au commissaire. Tu pars quand? Ce soir. Je n'irai pas à l'enterrement, bien entendu. Mais après la cérémonie, j'aimerais que l'on me voie verser quelques larmes sur la tombe de Serge. Ça fera bien. Ah, quand je pense que tu n'as jamais vu mon mari. Si, une fois, par la fenêtre du commissariat. Heureusement que tu m'avais montré sa photo. Autre chose. Tu me rends mon petit papier? Quel papier? Voyons, celui que tu m'as obligé à signer. Ah oui. Je te tiens, hein? Et si je ne te le rendais pas? Moi aussi je te tiens. Je dirais que tu as tué Serge. Tu n'aurais pas intérêt? Tu seras accusé de complicité. C'est quand même moins grave que de l'être de meurtre. Tiens, le voici. Je t'ai bien fait marcher, hein? Tu as une curieuse conception de la plaisanterie. Parlons de choses plus sérieuses. Quand toucherai-je mon argent? Dès que la succession sera réglée. Il faudrait que ça aille vite parce que je ne suis pas très patiente. En attendant, il me faut un petit acompte. Oui, tiens, prends ça. Tu rêves? Bon, voici 10 de plus. Mais c'est le maximum de ce que je peux faire, hein. Oh, j'aime pas ça. Bonjour, Madame Cléry. Vous permettez que j'entre? Tiens, Mademoiselle Blazac. Oui, je venais demander pardon à Madame Cléry. Et moi, je viens de lui demander de me suivre. Pourquoi? Pour le meurtre de votre mari, madame. D'ailleurs, Mademoiselle Blazac va venir également avec nous. Mais vous êtes fou! Non, madame. Depuis longtemps, vous voulez vous débarrasser de votre mari pour profiter de sa fortune, comme vous l'entendez. Vous pensez que la meilleure solution est de faire croire à un suicide. Vous estimez également que l'on vous croira plus volontiers si vous-même faites figure de victime. Partant de là, vous cherchez une complice que vous trouvez en la personne de Mademoiselle Blazac. C'est insensé. Vous avez dû la connaître jadis et vous l'avez retrouvée l'année dernière. Vous devez savoir beaucoup de choses sur son compte. En un mot, vous la tenez. Vous concevez alors un plan en trois parties. D'abord, vous accumulez des faits contre vous. Il faut que la police croie que vous avez renversé puis menacé une jeune fille.
vous raffiner en situant le pseudo-accident près de chez votre ancien fiancé. Ensuite, vous essayez de démontrer que vous êtes victime d'une machination. Vous orientez la police sur la piste de votre mari. Vous vous arrangez avec votre complice pour que M. Cléry retourne à son bureau. Vous m'appelez au téléphone et tirez vous-même un coup de revolver. Le lendemain, Mlle Blazac vient dénoncer M. Cléry et confirme ce que vous avez imaginé. Enfin, pendant que Mlle Blazac se rend à mon bureau, vous tuez votre mari et maquillez le crime en suicide. Étant donné les événements qui viennent de se passer, tout le monde vous croira. Non, vous n'avez aucune preuve. Si. Ah, si. Sans vous en rendre compte, vous avez fait une erreur fondamentale. Oui, malheureusement, je m'en suis aperçu trop tard. Lorsque nous nous sommes vus pour la première fois, Mlle Blazac a décrit chaque pièce de votre maison avant d'y entrer, en donnant des détails. Or, elle m'a avoué par la suite qu'elle n'avait jamais mis les pieds chez vous auparavant et qu'elle tenait ces informations de M. Cléry lui-même. C'est la vérité. Oui. Or, M. Cléry était en Angleterre depuis 3 semaines. Et le masque chinois que vous avez décrit avait été acheté après son départ. Comment aurait-il pu vous en parler, Mlle Blazac, puisqu'il ne l'avait pas encore vu? La seule explication, c'est que Mme Cléry vous avait renseigné. Monsieur Cléry n'a non pas pu se suicider à cause de vous, Mlle Blazac, puisqu'il ne vous connaissait même pas. Vous avez beaucoup d'imagination, commissaire. Beaucoup moins que vous. Hein, vous aviez monté un bel échafaudage, mais à présent, le voilà par terre. Et vous paierez les dégâts. Faites-moi confiance.